Bonjour tout le monde et bienvenue à cet autre épisode d'Arc Maniaque. Aujourd'hui, on s'en va rejoindre David Bienvenue et Jérémy Hervé pour une chasse à l'ours au chalet du grand-père de Jérémy Hervé. L'année passée, ces deux-là ont connu une super de belle saison de chasse à l'ours. Ils ont récolté chacun un ours qui frôle les 200 livres. Sauf qu'il y avait des comptes à régler avec un ours qu'on a surnommé King Kong. David s'était tiré deux fois dessus sans jamais pouvoir décocher une flèche. Cette année, on voulait baser notre chasse pour récolter ce gros ours-là. Donc, restez des nôtres, c'est l'histoire qui suit. Il y a plein de gommes de sapin, moi je m'assieds dedans. Présentement, 5 juin, je m'en vais rejoindre David Bienvenue au chalet de Jérémy Hervé. On est parti pour une belle chasse à l'ours. Mais avant de parler d'ours, il va falloir qu'on parle de chevreuil parce que la semaine passée, j'ai trouvé une belle corne. Puis d'après moi, cette corne-là dit quelque chose à Dave. Il a manqué ce boc-là, il a peut-être 3 ans. Puis il est toujours en vie, il a grossi d'année en année. Cette année, d'après moi, il va être rendu monstrueux. Mais là, je vais lui montrer de quoi il avait l'air l'année passée en vrai. Donc, j'ai hâte de voir sa réaction. L'histoire se poursuit. Ah ouais, écoute. Continue de l'écrire, cette histoire-là. Le chevreuil, c'est l'année longue aussi, hein. C'est pas juste une question de l'automne. Là. Effectivement. On court après ça. Le boc-là, hein, il a-tu poussé depuis 2012? Content que tu l'aies manqué. Je suis content et je suis pas content en même temps. Ça aurait fait une super belle chasse. Effectivement, écoute, c'est des souvenirs. 2012, j'ai eu la chance d'avoir une flèche dans ce boc-là. Mm. Mal placée, malheureusement. Pas mortelle. Puis on a vu la différence. Il y avait possiblement 3,5 à ce temps-là, à l'automne. Il y avait 3,5. Là, il est rendu quoi? 6,5 cette année? Ça, c'est possiblement 5,5 cette corne-là. Ouais, probablement. 5,5. Mais tu vois le boost que ça prend? Oui, 3,5 tombe mature, mais leur plein potentiel, ils pognent ça à 5 puis 6,5. Puis là, on en a la preuve. On est rendu là, là. Fait que le jump qu'il va avoir cette année, on ne sait pas. Exactement. Il va-tu à score quoi? J'ai score à 67. 67 là. D'un bord. Hey, ça fait. Vite ça fait, là, t'es à 130 plus la largeur. La largeur, une vingtaine de pouces. Fait que t'es à 145. Mettons. Pratiquement, là. Mm-hmm. Conservateur. 145 pouces. Deux côtés. Ça va être beau, ça, c'est ça. On aurait dû être de même en 2012, mais là, au final, ah, mais ça va arriver. T'es plus de même, ouais, là, t'es de même, on va être de même. Okay. Non, écoute, je suis con. Non, c'est. Ben, ça fait juste pour on suivre. On va la tenir ensemble, ce boc-là, c'est effectivement, tout. Effectivement, j'ai bien hâte de. Ben là, je suis venu ici pour d'autres choses. C'est le temps d'aller à l'ours. Ouais. L'ours, tu vois, là, on a des mouches autour de la tête, mais c'est ça. C'est ça, c'est signe. C'est signe que c'est l'ours. Écoute, faire un topo vite, j'ai fait le tour des bêtes hier. La semaine passée, j'étais un petit peu découragé parce qu'il y avait des ours, mais c'était tranquille, c'était pas mal de nuit. Là, cette semaine, on vient de pogner le mois de juin, puis ça commence à apparaître. Là, il y a 3 nouveaux ours qui sont arrivés sur les bêtes en dedans de 3-4 jours. Là. 3 nouveaux. 2 petits, je dirais. Eux sont pas mal de jours partout. On devrait être capable de les voir à soir. Sinon, il y en a un vraiment beau qui est apparu, là, pas loin du chalet. Lui, j'ai hâte de voir. C'est un matinal, par exemple. Ça se peut qu'on doive se lever de bonne heure pour aller chasser le matin. J'ai jamais fait ça, mais écoute, si c'est ça que ça prend, on va le faire. Ça te dérange pas, là, au lieu de se faire piquer puis de se taper dessus à tour de bras, ben, qu'on finisse à coup de table d'en face. Alors, écoute, on va prendre le stock. Je pense qu'on va aller te montrer une photo. Musique.
le lousse qui est arrivé depuis 2 jours. Vraiment. Il y a les épaules. Pas de tête sur ce là, il est vraiment beau. Bon ben, à partir de maintenant, on peut dire que la chasse à l'ours a commencé. On est le 5 juin, donc le mois de juin est entamé. Personnellement, je chasse pas l'ours avant le mois de juin depuis quelques années. À une semaine, il y a 3-4 nouveaux ours qui sont apparus sur nos bêtes. On a vu des combats, on a vu des ours s'accoupler. Donc là, le rut est en train de prendre. Les ours voyagent plus, ça paraît. On vient tout juste de s'asseoir. Ici, j'ai 3 ours différents. De grosseur, je dirais moyenne, mais c'est dur à évaluer. Donc, on est venu ici pour les voir de jour, de nos yeux. Ils sont réguliers aux alentours de 7h, entre 7 et 8. Les ours sont ici tous les soirs, donc on va pouvoir les voir de nos yeux, croiser les doigts du moins, pour pouvoir mieux les évaluer, savoir si ça vaut la peine de peut-être laisser partir une flèche ou non. Mais on a notre réel, on en a un vrai target, qui est un petit peu plus haut, qui lui se rapproche de jour. Donc on a 3 jours avec Raph en fin de semaine, l'annonce pour les 2 prochains. On souhaite que notre gros King Kong il se présente de jour d'ici 2 jours. Mais là que ça part. Mais la totale. On a à soir puis on a dimanche pour ma part. Après ça, on est quand même début juin, il reste du temps, mais on va y faire un bon mix d'odeurs. C'est comme une course contre la montre actuellement parce que la semaine prochaine, moi, je peux pas chasser. C'est la fête de mon petit garçon, David, qui va avoir 1 an. Donc, moi, j'avais en fin de semaine que Raph pouvait venir, j'étais disponible. Puis cette semaine, Jay, il est pas disponible, mais il peut chasser la semaine prochaine. Fait que là, on fait une petite course, puis en fait, on se le dit pas, mais on veut tout pogner le gros avant que l'autre vienne s'asseoir et qu'il soit de jour. Fait que, honnêtement, à date, je pense que ses chances à Jay sont bonnes parce qu'il n'est pas encore tout à fait de jour. Il roule un petit peu trop tard encore. Mais plus que le mois de juin va avancer, en théorie, ça devrait s'améliorer. Ça prend des
plus gros bâtonnet d'application. Viande avariée. T'as-tu senti? Non. T'es dégueulasse. Ah ouais? Ah ouais. Ah! Sac! Ça pue. On peut pas croire qu'on mange notre ours après. Mon nom est Michel Breton, guide et formateur. Bienvenue à cette chronique sur la chasse à l'orignal. En tout, pour l'émission Arc Maniaque, je vais faire 6 chroniques pendant la saison. Et celle-ci, comme première, je veux parler de l'appel. Beaucoup de chasseurs encore ne chassent pas l'orignal sur l'appel, puis ils voient ça vraiment compliqué. C'est pas si compliqué que ça. Pour ce qui est de l'appel de la femelle, le but, ce qu'on veut faire, c'est toujours de séduire les mâles. Fait que première chose qu'il faut faire, c'est d'avoir une tonalité qui ressemble à un orignal. Puis ça, pas besoin d'avoir un son parfait. Comme tonalité, je peux caler avec le son en « on », comme ça. La base de mon appel va être le son « on », comme ça. « On », ça, c'est la base de mon appel. Ensuite, je vais me rouler la langue dans le palais pour faire en sorte que ça ressemble un peu plus à un orignal. Je fais le son « on », je me roule la langue. Dernière étape, j'envoie ça dans le cornet. Le cornet va m'aider à amplifier mon son, donc augmenter de beaucoup les chances de me faire entendre. Fait que je fais tout ça, je fais le son « on », je me roule la langue, je me pince le nez pour étouffer le son encore plus, j'envoie ça dans le cornet. Pour ce qui est de la tonalité de la femelle, pas besoin de caler parfaitement. Ce qu'il faut, c'est que ça soit plus ou moins réussi. Puis ça, tous les chasseurs sont capables de le faire. Beaucoup de chasseurs me demandent, c'est quoi le meilleur appel? Peux-tu faire tel ou type d'appel? Il n'y a pas de mauvaise technique de mauvais son qu'on peut faire à la chasse à l'orignal. C'est comme à la pêche. Peu importe la leurre qu'on met au bout de notre canne à pêche, on peut pogner du poisson avec. Mais comme à la pêche, il y a des meilleures leurres que d'autres. C'est pareil pour la chasse à l'orignal. Pour ce qui est de la femelle, le but, c'est de séduire. Fait, qu'est-ce qu'on veut? C'est de faire le son le plus séduisant possible. Fait, ce que je vais simuler comme comportement, c'est une femelle en oestrus. Une femelle en oestrus, elle a un mâle avec elle, est en ovulation. Ça va être extrêmement rare qu'une femelle va ovuler sans mâle. Fait, elle va faire le son, mais il va être différent de ce que je viens de faire. Le son ne sera pas stable, étant donné que la femelle est poussée par le mâle. Le son va monter et va descendre. Le son va suivre les pas de la femelle, finalement. Fait que c'est ça qu'il faut simuler comme comportement, faire un son et le monter et le descendre pour simuler une femelle qui s'éloigne du mâle, étant donné que cette femelle-là est en ovulation, est en oestrus. Merci d'avoir été des nôtres et je vous invite à me suivre lors d'une prochaine chronique qui va parler de l'appel de mâle cette fois-ci. On était maintenant rendu à notre deuxième fin de semaine de chasse. Que nous, notre chasse à l'ours, ça passe principalement les fins de semaine. Comme on est souvent parti tout le mois de juin, bien, on en profite en même temps pour amener nos blondes avec nous, question de passer un peu de temps avec elles, puis de passer du bon temps aussi entre amis. L'histoire se poursuit. On est samedi matin. On est en route, moi et ma blonde, pour aller rejoindre Jérémy et Hervé au chalet de son grand-père. Après-midi, on fait une petite sortie de pêche tranquille. À matin, on est allé voir les caméras. Là, je suis en gros dilemme à savoir où est-ce qu'on va chasser ce soir. On joue un peu au jeu du chat et de la souris avec les ours depuis le début. Là. On va à une place, le shooter sort à l'autre. On va à l'autre place le soir, le shooter il sort à l'autre. Fait qu'on a des shooters à chaque place, mais on réussit pas à les voir quand on est là. C'est pas facile, mais on va l'avoir à un moment donné.
J'en suis relativement à ce qu'on pourrait dire mon dernier vrai soir de chasse. Je dis ça parce que Raph, c'est sa dernière fin de semaine qui est disponible. J'ai hier eu une belle rencontre avec notre ours qu'on appelle King Kong, l'ours que j'ai pas été en mesure de récolter l'année passée. Problématique de communication avec sa blonde Sabrina qui était comme caméraman. On vient de donner un blitz dans le secteur, essayer de récolter notre grosse ours King Kong. Mais chose certaine, les standards vont baisser probablement un peu. C'est mon dernier soir, comme je disais. Donc, on va essayer de terminer ça d'une belle façon. Grosse les doigts, il fait super beau. Les maringouins sont encore là. On vient juste de monter dans le stand. Fait qu'on s'assoit, on reste tranquille. On a quasiment 4 heures de chasse devant. La chasse à l'arc est un sport de grandes émotions, autant positives que négatives. Mais heureusement, l'un ne va pas sans l'autre. Là, mon ours. Fait que, écoutez, c'est pas le King Kong qu'on cherchait, mais en fin de saison comme ça, c'était relativement mon dernier soir de chasse. Avec des hauts, des bas comme ça, la chasse, c'est des montagnes russes d'émotions. On l'a eu encore à soir. Puis, on se fait manger par les bébites. Mais écoutez, très content.
Hey, on va se dépêcher parce que là, on se fait manger par les maringouins. Très content. Chasse 2015, Arc Maniaque à l'ours. Bien, ça finit encore par du succès. Être si près du but et en même temps si loin, la ligne est mince entre la victoire et la défaite à la chasse à l'arc. C'est ce qui rend la victoire encore plus grande. Donc, on était vraiment contents d'avoir récolté ce bel ours-là, même si c'était pas l'ours qu'on s'était fixé comme objectif à la base. Chose certaine, c'est qu'on aurait eu nos chances. Puis les chances étaient du côté de l'ours cette fois-ci. Il sera juste plus gros l'année prochaine. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres et on se donne rendez-vous au prochain épisode qui aura lieu à la baie James pour une chasse à l'orignal.